Donc bien entendu, ça ne s'enflamme pas l'amadou. Donc je reprends un petit peu ce que j'avais dit dans le précédent épisode. Donc ça sert à faire simplement une braise. Cette braise, je vais souffler dessus et la mettre sur les petits brindilles pour déclencher la flamme. Facile à dire qu'à faire. Tu vas prendre mes salopes. Connasse. Et tout ce qu'ils ont vu que ça prenait feu, c'est n'importe quoi. Non. Viens, on va faire ça là, tiens. Comme j'ai déjà dit, il faut toujours avoir le bois déjà à proximité quand le feu se déclenche. J'étais à peine préparé. Vous voyez, j'ai improvisé parce que ça, bah, ça vaut rien. Hop. Donc toujours faire une espèce de structure pyramidale. C'est ce qui va en fait faire monter les flammes. Voilà, donc le but de ramasser de l'amadou, même si c'était pas prévu parce que je suis passé devant en moto, je l'ai récupéré. Bon, ça m'a donné l'idée de faire un feu. Faire un feu pour faire cuire quoi? Ben, un lapin. Évidemment, c'est pour ça que je suis parti sur la fabrication d'un rabbit stick. Donc ben, on va se faire cuire un petit lapinou. Voilà, on va griller Bugs Bunny. Donc je vais pouvoir commencer à mettre les grosses sections. Je voudrais préciser une chose. Derrière moi se trouve un lapin. Donc les âmes sensibles, s'abstenir. Voilà. Après, c'est pas moi qui ai tué le lapin. Je vous explique. Je roulais, je traversais une route au milieu des bois, en pleine nuit, et devant moi s'est trouvé un gros lièvre. C'est même pas moi qui l'ai percuté. Je suis descendu, j'ai regardé, visiblement ça devait être juste fait. Voilà. J'ai pensé à faire une vidéo avec ça. Et donc je l'ai conservé quelques temps. Voilà, donc
Non seulement c'est pas moi qui. C'est, je l'ai pas tué avec un collet ou quoi que ce soit, ni exprès pour cette vidéo, il était déjà mort et en plus ce n'est pas moi qui l'ai tué. Donc vraiment, si j'ai des remarques, je sais pas comment faire. Une chose importante par rapport au lapin, c'est que le lièvre, il est porteur de maladies, donc il faut pas le toucher. Il faut porter des gants. Bon, je n'ai trouvé que ces gants-là. Par contre, au niveau des couteaux, donc en prendre deux, je vais prendre le tout logique pour le dépecer. Et puis après, pour tailler des morceaux, ben, j'utiliserai un autre couteau. Donc ne pas toucher un lièvre à main nue, puisque c'est porteur de maladies transmissibles à l'homme. Voilà. Qui veut un porte-clés? Quand j'étais gamin, je voyais ma mère faire ça avec une grande facilité. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, le but est de lui enlever son petit pyjama en essayant de l'esquinter le moins possible. En matière de survie, la peau, ben, il suffit d'en avoir quelques-unes pour ben, se fabriquer un habit, un manteau, via des chaussettes. Les spécialistes vont bien rigoler parce qu'ils verront bien que j'ai pas l'habitude. Je l'ai fait qu'une seule fois avant celui-ci. Ça s'était mieux passé la première fois. Oh la vache! Heureusement que je suis pas charcutier. Donc là, il faut faire attention à ne pas percer la poche de l'abdomen pour pas que les entrailles souillent la peau si on veut la conserver. Une belle peau de lapin, ce serait dommage de la faire perdre. La partie que je redoute le plus. C'est horrible. Il va falloir que je me débarrasse de la tête. C'est pas ce qu'il y a de plus cinématographique. J'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai coupé les tendons des pattes arrière. J'aurais pas dû le faire puisque les muscles, évidemment, ils sont revenus, ils se sont contractés, ce qui fait que bah, ça a pas bonne mine. Et là, je suis en train de faire une autre erreur, je vais faire cramer mon pic. De remettre du bois. Par contre, je le mets pas dessous le lapin, mais à côté. Une fois que les flammes viennent le brûler, qu'elle coupe les cordes qui relient les pattes ou qu'elle crame le bois qui le soutient. Donc je pose à côté. Fait pas froid, hein. Oh la vache. Hey, tu sais quelle heure il est? Il est 10h moins 10. Et je crois que c'est pas très très bien cuit là. En tout cas, en attendant que ça cuise complètement, j'ai trouvé un apéro. Je vous présente mon apéro. Salut toi. Directement dans mon assiette. Cette écorce de bois, c'est mon assiette.
Donc, ben, Titi, je vais le cramer et puis le manger. Oh, arrête de faire des bulles. Petite brochette d'escargot. On va goûter. Hein. Ouais, ça fait 2 heures. Puis 2 heures que ça cuit. Faut dire qu'il était gros, hein, ce lièvre. Mais quand même. Comment est-toi, l'escargot? Si tu racontes. T'as chaud? Moi, j'ai goûté un escargot. C'est un goût que je connais. C'est bizarre, mais c'est un goût de poisson, un goût de chevesne. En fait. S'il n'y a pas la farce, finalement, ça n'a pas le goût d'ail, évidemment. Mais l'escargot en lui-même, je trouve qu'il a un goût de poisson. Finalement, je me rends compte que je suis dans mon jardin en train de faire un feu à 10h du soir, en train de faire cuire un lapin que j'ai trouvé mort sur le bord de la route. Je crois que je devrais consulter quand même. Mais vous, si vous êtes encore en train de me regarder, c'est que vous êtes aussi fou que moi, quelque part. Et dire que j'ai fait ni l'armée ni Boscout. Ah là là, qu'est-ce que ça serait? Bon ben j'ai faim. Hein. J'ai commencé par en tailler un petit bout. Hein. C'est chaud, ça brûle, c'est chaud, ça brûle. Finalement, les reins, c'est ce que je préfère sur le lapin. Franchement, c'est vraiment délicieux. Cuite à point. Pas trop sec. Goûteuse. Vraiment, c'est délicieux. Bon appétit, bien sûr. Ouh. Et non, quelle aventure. Voilà. Donc c'était encore un épisode des Zoobook. A bientôt pour une prochaine aventure. Et pendant ce temps, survivez. Tam tam tam. Thank you.